Bonjour, bonsoir. Nous sommes nombreux à avoir des a priori sur les sprinteurs. Vous savez, les Z qui courent aussi vite que vous. Eh bien, moi aussi. Mais je veux ouvrir mon esprit et partir à leur rencontre. Nous voilà donc en apocalypse avec ces zinzins. Je vais tenter de survivre un mois avec ce nouveau survivant, Spiflo Gonzalez. T'as capté la ref. Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce second épisode de Sprinters. Aujourd'hui, on va partir à la conquête des entrepôts, dans le but de choper une bagnole. Let's go! Alors, normalement, il reste un Z ici, hein. Et beaucoup là-bas. Très bien. Alors l'idéal, ça serait de faire sortir le Z pour l'amener là-bas et mettre fin à sa vie de zombie à cet endroit-là. Mais sinon, on va faire comme on peut. C'est flippant, hein. C'est flippant. Allez. Tout est sous contrôle. Il nous faut les clés, hein. Non. On va tester la batte. Les clés. Excellent. Ben, on va faire tous les... Ça a crié. On va faire du coup tous les garages, hein. Il nous restera... Les petits compartiments ici, mais sinon c'est parfait. Je suis très content. Bobine de fil. Alors là, on est un peu bloqué du coup. Il faudra bouger le fauteuil. On chope des bottes. Le fauteuil, je le mets dans le carton, hein. Logique. Et là, je trouve le magazine de l'agriculteur. Bon, bah, l'agriculture, hein, c'est comme la pêche. Très peu de chance que j'en fasse. Ne serait-ce que pour le temps que ça prend. Hein. Et puis, c'est pas le but de l'aventure non plus. Oh, le pied de biche. Ok, la batte, bah, je suis désolé. Je peux pas tout prendre sur moi. Et le pied de biche par contre, regardez. Parfait. Au niveau de la couleur. De la longévité. C'est top de top. Des freins. Ok. Enfin, un frein. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau? Encore une carte à noter. Un bidon d'essence. Les vêtements, bah je peux... Sérieusement? Ok. Bon bah, il y a un petit barrage. Des Lego. Comme ça, si les Z y passent par là... Tac. J'ai évité de marcher dessus. Ok, c'est bon. On s'en sort. Javel, planche. Et normalement, il reste une bouteille ici que je vais boire. Regardez-moi cette nonchalance. Il y a un Z à l'intérieur. Par contre, je peux pas ouvrir la porte, hein. Ok. Je les ai un petit peu chauffés là, donc on va se méfier. Pas d'alarme, logiquement.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, les cafards, il n'y aura pas besoin d'en manger avec toute la nourriture qu'on a. Des allumettes, est-ce que j'en avais? Non. La bouteille vide, hein, je vais la virer. Et là, oh purée, on a de la tarte. De la tarte au citron vert. Incroyable ça. Moins 30, 404 calories. Donc vous voyez, j'ai le descriptif complet des apports nutritionnels grâce à mon métier de professeur de fitness. Ça rigole pas. J'ai tout ce qu'il faut. Alors. Ok, on a accès à celui-là. Rien d'incroyable. Là, je l'ouvre au cas où. Et il va falloir péter la porte, tout simplement. Donc, je pense qu'on on devrait avoir le temps aujourd'hui d'atteindre les entrepôts de l'autre côté. Et si ce n'est pas le cas, ben, on le fera en deux jours, hein. Mais je suis à peu près sûr qu'on puisse trouver une voiture fonctionnelle sur le parking. Du coup, on va pas s'obstiner avec la Dart 9 qui est tout éclatée là à l'entrée. Je devrais me concentrer sur la menace. Attendez. Un ici, un là-bas. J'espère que t'es tout seul, hein. J'ai ouvert la mauvaise porte. Le fail. Ça a l'air sympa ce qu'il y a à l'intérieur. On nettoie. Et le calme est revenu. Très bien. Alors. Ouh. Ça en temps normal, c'est la folie, hein. Des écharpes, qu'est-ce que c'est rare! Mais là, nous sommes en été et puis nous devons garder notre cosplay de Speedy Gonzales qui est de tente. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac. Ok, super. Purée, super caisse. Enfin, carton. Super carton, hein. Veste, doudoune, avec des collants. Let's go, le sac de rando, magnifique. Oh là là, trop bien. Ok, on rentre dans une nouvelle phase de l'aventure. Le sac. Qui va nous permettre de transporter notre bordel. Et ainsi de maintenir un poids d'inventaire inférieur à notre poids maximal. Pour pas cramer la stamina. Ok, j'ai le marteau, le tournevis, l'ouvre-boîte, le ciseau, j'ai le switch dans le sac. Et écoutez, je vais virer les allumettes. Un briquet devrait suffire. Par contre, attendez, les autres. Ouais, c'est bon. Et ça commence à être du sérieux là, hein. Casque de football américain. Bah j'ai la version verte. Bah je prendrai le bleu. Voilà. Si je trouve le bleu, je le prends. Pour garder le code couleur. Mais sinon, on va rester comme ça. Rouge comme les taches de sang qu'on a sur nous. Tournevis, ferraille. Ok, bah super loot. Magnifique. Attendez, ils ont peut-être les clés ? J'ai pas fait attention. Non, ils ont pas les clés.
Non, pas les clés, du coup, cette porte, on peut pas le... Enfin, on peut pas la déverrouiller comme ça. Et ouais, il est 13h50 et c'est le moment pour nous de commencer à progresser vers les entrepôts. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué avec cette équipe. Oula, oula, oula. Calme, calme, calme. Regardez là-bas. Faut que je trouve un moyen de les aggro sans prendre de risques. Et je pense que je vais m'orienter vers une stratégie qui consisterait à passer par-dessus la grille et les faire un par un. Mais ça va être chaud, hein. Un par un, je sais pas comment... Comment ça va passer. Et si jamais c'est la merde, je repasse de l'autre côté. Ça arrive vite, hein. Mais je me sens un peu plus à l'aise avec le pied de biche. Après, ça change rien au fait qu'on pourra pas gérer un 1v2. Ça marchera pas. Mince. Mais après, ça me donne un espoir de les faire tomber rapidement et du coup de gagner du temps sur les infiltrations. Ah, j'aurais dû faire attention avec la forêt. Faut pas non plus que je m'éloigne trop de la grille. Si vous voyez ce que je veux dire. Là-bas, ils sont tous paqués. Ok, ça passe. Petit tour de piste. Ah, une fois qu'on sera en ville, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, beaucoup moins dangereux. Regardez les premiers véhicules. Ça n'a pas l'air top, hein, mais... J'ai quand même bon espoir. Le parking est très grand. Faut faire les 5 là, j'ai pas le choix. Oh wow wow. Oh les problèmes. Les problèmes de superposition d'animation. Ok, il commence à y avoir plusieurs véhicules là, ça me plaît. On commence à avoir un sacré style, hein, n'empêche, hein. Il faut pas que je me loupe là. Oh. Merci bien. J'ai fait exprès de courir pour la tirer. Bon, logiquement, aujourd'hui, on ne devrait pas se taper d'alarme. C'est le point positif. Mais en même temps, on est un petit peu en train de jouer au loto parce que à tout moment, il y a 3 Z de l'autre côté. Et c'est la fin des haricots. Ouais, ouais, ouais. Je vais plutôt me concentrer côté parking. Ça m'inspire plus. Surtout que notre but premier, c'est de récupérer un véhicule. Et maintenant qu'on est ici, hein, je suis bien tenté pour aller récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent, vous savez très bien que cet entrepôt est blindé d'outils.
et même d'armes vraiment très, très intéressantes. Oh purée, 1v2. Comme les machettes. Tombe. C'est compliqué. C'est très compliqué là. Là faut que j'espère... faut que je compte sur des chutes. Holy shit! Waouh. C'était chaud. On s'en est sorti. Ils sont vénères, hein. Ils sont dégoûtés là. Ils partaient du principe que c'était gagné pour eux. Et ils ont eu pas tort hein, de penser ça. Mais on se laisse pas faire. Par contre, vous voyez, hein, l'animation quand même pour passer par-dessus le grillage. Il y a un certain délai, donc faut faire gaffe. Je vais voir si je peux en les séparer. Oula, les autres ils sont un peu bloqués par le grillage. Je sais pas ce qui se passe. Oh purée. Et j'ai l'impression que je suis en train de bénéficier d'un bug là. J'aimerais bien les faire à la loyale. Let's go! Tu me laisses pas faire. Ok, c'est bon, j'ai lavé mon honneur en prenant le 1v2. C'était pas voulu, hein, le petit bug avec le grillage. Donc on peut y retourner. Quatre véhicules, on en a d'autres hein, derrière, vous voyez. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres contre la paroi parce que c'est ça qui nous a piégés. viens là. C'était chaud, hein. Et c'est un peu mal foutu là. Je sais pas qui a gros. Les trois, ils sont sur la même ligne. À tout moment. Oh là là, ah oui. Ah, je pense qu'ils veulent me faire passer un message, là. Est-ce que je peux aggro... comme ça? Non. Non plus. Ils n'entendent pas. Par contre, ça commence à se séparer, ça me plaît. Est-ce que je peux en décrocher un, là? Oh, purée. Oui, le bricoleur. J'ai l'impression d'être super prêt. Ok, parfait. Let's go. C'est cadeau. Attention à ce groupe. Ok, ça va. Si on arrive à gérer comme ça. Attention par contre. Ça va, ça se passe bien pour l'instant. Mis à part la petite frayeur de tout à l'heure.
Par contre, le groupe, il a totalement disparu. Ce qui m'inquiète un petit peu. Je vais prendre les clous. C'est toujours bien d'avoir des clous sur soi. Et je commence à être légèrement fatigué. Donc écoutez, va peut-être falloir que je me calme. Pourquoi je peux pas péter la fenêtre? Alors les véhicules aussi peuvent avoir des alarmes, hein, en apocalypse, donc faut que je fasse gaffe à ça aussi. Je vais prendre le bidon cette fois-ci. Le duct tape, je le prends. Et la ficelle, bon bah je vais pas pêcher donc pas besoin. Peut-être trouvera-t-on les clés du van. Alors un van c'est pas l'idéal hein, pour traverser... Merde. Pour traverser une ville avec des sprinters. Mais après, si le van est en bon état, logiquement, ça devrait le faire. Et puis, j'ai pris le trait Speed Demon, qui me permet d'aller un peu plus vite. Donc, ça peut peut-être contrebalancer. Ok, il y a des vêtements dans le coffre. Je commence à être légèrement fatigué. On a les clés. Pas d'essence. Est-ce que c'est un problème? Pas vraiment. Sachant qu'on a juste à faire le plein chez les voitures voisines. Donc vraisemblablement, on va partir avec le van. Sauf si on arrive à gérer facilement le prochain parking. Mais bon. Facilement. Je sais pas si c'est le bon mot à utiliser dans ce contexte. On est quand même avec des sprinters. Et ça rigole pas. Ah, ça fait un peu court, hein, au niveau de l'essence. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de rentrer. Mais d'un autre côté, j'ai envie de repartir d'ici. Si je me la joue discret, on peut se faire un petit coin pour dormir là, avec les chaises de bureau. Personne ? Intéressant. Est-ce qu'on n'a pas un coup à jouer ? On peut dormir à l'étage avec une chaise. Et du coup, on a directement accès au loot. Ça va être la folie, là. Ça va être la folie. Je vais la jouer sécure. Je vais prendre la chaise, passer à l'étage. Et demain, on s'occupera de l'entrepôt, du coup. Ça serait bien qu'on s'occupe de l'entrepôt et de la voiture demain. Comme ça, après-demain, on part en direction de la ville. Je pense que ça serait la storyline parfaite, quoi. Bon, il y avait déjà des chaises à l'étage. Hein. J'ai fait un peu ça pour rien. Mais c'est pas grave. On va probablement trouver une masse. À voir ce qu'on en fera. Ça me fascine le nombre de colle à bois. Qui est un super loot hein, pour réparer vos haches. Le marteau, je vais le changer.
On va enlever le marteau à panneau ronde et prendre le marteau classique. Les duct tape. Je vais prendre que ceux qui sont pleins. Nous permettront de réparer les machettes si on en trouve. La scie, je vais la prendre au cas où je pense pas à prendre celle que j'ai laissée par terre au niveau des garages. Et voilà, déjà on a une masse. Ça me choque pas, hein, on est en rare. Donc on a la masse, c'est cool. Je la prends par principe. Et si me vient une idée en tête par rapport à la masse, bah je mettrai ça en place. Mais là pour l'instant, vu qu'on va être sur du gros déplacement, de la rapidité, la masse c'est quand même 6 kilos. Hein. C'est pas rien. Allez le jeu, donne-moi des machettes s'il te plaît. Une clé anglaise, ok, intéressant. Ok, je commence à avoir des trucs. Un nouveau pied de biche. Devrais-je plutôt privilégier des hachettes, je pense. Je vais me mettre en double hachette. Bon, au niveau du poids, je vais avoir du mal, hein. Sauf si je gère bien le stuff comme ça. Je reste à 12,31. La carte à noter, je vais la regarder maintenant. Louisville, ok, on s'en fout. Allez hop, ça dégage. Tac, tac, tac. Peut-être transvaser une bouteille. Et ouais, je viens de perdre un point à l'instant. du coup, céréales. Ça va nous requinquer. Très bien nourri. Parfait. Ok, je vais virer ça. Le bruit, il est horrible. Heureusement que les zombies n'entendent pas le bruit quand tu pètes une caisse en voulant la prendre. Et je vais pas trop courir à côté des garages. Des duct tape. Deux. Incroyable. Allez, des petites machettes là, ça serait cool. Avoir un peu plus de puissance. Les pieds de biche, hein, je les ramasse pas, puisque vu la durabilité et le nombre de Z, ils sont pas tellement au final. On devrait le garder longtemps, les pieds de biche. Là, je prends... Alors j'ai pas eu de soucis pour trouver la masse, par contre la machette, ah, les clous, je vais peut-être les prendre. La machette, elle est un peu plus dure à trouver. Hein. D'accord, très bien. Je prends les duct tape, mais je suis même pas sûr de les utiliser. Si j'ai pas de machette, ça va pas m'être utile. Mais normalement, je devrais en trouver une, là. C'est bizarre. Le jeu se joue de moi. Alors. Genre, au moins une.
Les clous, j'ai déjà 3 boîtes, c'est bon. On va se calmer. Non, pas de machette, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça sera pas ici en tout cas. Ça me fait 10 duct tape. J'ai 3 kilos de duct tape. Sérieusement. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Ok, pas de machette. Peut-être là, j'ai pas fait. Enfin, je m'en souviens plus en tout cas. Ouh, j'ai pas fait. Attendez, attendez, attendez. J'ai vu une hachette déjà. Je vais pas la prendre puisque j'en ai deux. La colle à bois, elle me permettra de réparer les hachettes. Et le duct tape, de réparer les machettes. Mais j'ai pas de machette. Ça veut pas. Ça veut pas venir. Non. Pas pour nous. Et ça, je les ai fait normalement. Il me semble. Ouais. Ok. Allons dormir. Avec notre super stuff. Je vais quand même manger. Les chips. Je vais manger aussi la tarte aux pommes. Hein. La bonne tarte aux pommes, là. Un bonheur. Hop. Et c'est ainsi que se termine notre deuxième jour de survie avec les Sprinters. Let's go. Le petit réveil à 10h, parfait. Et il va peut-être falloir que je commence à transférer l'inventaire, le contenu du sac, dans le van. C'est ça le projet. Normalement, ce sont des toilettes ici. Je vais le laisser comme ça. Hein. Je pourrais très bien lui faire prendre une douche. Et je dois reconnaître quand même que... Vachement stylé. Hein. Ça donne un air très inquiétant. Ah oui, ok. Il est plein le truc. Eh bien, on va prendre tout ça. Et j'ai commencé à aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'entrepôt. Pour aller choper notamment de l'essence. Donc, attendez. Voilà. Je vais garder le bidon. Et je vais en prendre... Ça me tue tous les duct tape. Je vais en prendre un deuxième, voilà. Deux bidons d'essence. Et encore des zombies à éclater. On va tous les faire, hein. Histoire d'être safe. Tac, tac, tac. Attention là-bas. Hein. Je vais arrêter de les looter. C'est une mauvaise habitude, ça. Déjà, ça sert à rien puisque je suis pété de loot. Et en plus, ça me fait prendre des risques par rapport au temps que je mets à ouvrir l'inventaire et à le fermer. Ils ont tous les deux, hein. Ah oui, 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 viens, viens, viens. Non, c'était pas toi que je voulais. Ok. 1v2. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. Allez, faut mourir, vite. Je me sens un peu plus à l'aise. Mais c'est limite, hein, quand même. Hein. Ça reste limite.
Saleté, va. Je prends les deux. Les deux. Encore une fois, nouveau 1v2. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Moins bien. Chaud. Il a raté le coup. Ok, pas de panique, tout va bien. Je loot, alors j'ai dit que je devais arrêter, mais c'est pas grave. Donc on avait les deux frères, hein, les deux frères soudeurs. Ça s'est plutôt bien passé au final. Mais c'est quand même oppressant, hein. Ok, ça va. J'ai ce réflexe, hein. Je peux pas l'enlever. Et je me force à ne pas regarder. Hop. Et ouais, j'ai envie de sécuriser un petit peu tout autour, là. Pour éviter les déconvenus. Si je peux les attirer. Ça me plaît. Ils sont bien paqués, hein. Ils sont bien paqués, ça va être compliqué de les décoincer. Ah, mais il s'est décoincé tout seul. Allez, c'est bien ça. De passer dans leur champ de vision. Ça me plaît, hein. Ça me plaît bien, là, ce qui se passe. Je vais combattre encore un petit peu. Et après, je vais me diriger vers l'autre côté, hein. Qu'on puisse rapidement faire le plein d'une... Enfin, d'une bagnole, j'allais dire. Non, de notre van. Sauf si on trouve une voiture en bon état. Les deux, ça me rassure pas. Ça me rassure. Un peu moins. Yes. Merci. Merci le jeu pour le cadeau. Ok, c'est parfait. Oh, les trois là-bas, ils sont super dangereux. Ça, c'est vraiment le genre de situation. T'es là, tu longes le mur et hop, trois sprinteurs dans ta face. Il y en a peut-être ici aussi, là. Purée, j'ai eu peur. Oh, je me suis liquéfié. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il y en avait un derrière. J'ai pas tout compris, mais... Force est de constater qu'il y avait du danger. Est-ce que toi, tu peux venir là-bas? Juste un.
Parfait. Non, ils sont deux. Deux. Ok, j'accepte le défi. Il est tombé. Et qu'il est pas très solide sur les appuis, hein. Donc il nous en reste deux là. Tac tac. Alors que j'allais me reposer incessamment sous peu. On va faire celui-là. Alors là, on n'est pas sur un sprinter, on est sur un dormeur carrément. Je me permets des petites accélérations, hein. 1, 2, 3, 4. J'ai envie de les faire maintenant. J'ai envie de les faire maintenant, comme ça on a accès directement au parking. En partant du principe qu'il n'y ait pas une pléthore de Z de l'autre côté. Et ça, c'est le loto. On peut pas savoir à l'avance. Je pense que je vais me prendre un 1v2. Ah bah non. J'ai de la chance. Pas de 1v3 quand même. Ça serait pas réglo. Je vais mettre ici pour essayer. Ouais, c'est nickel. Ah, c'est bien ça. Setup parfait. On sait jamais, je regarde un petit coup. Groupe de 7. J'aimerais beaucoup hein, récupérer la Master Zone Horizon. Ok, le 1v2. Attention. Yes, parfait. Elle peut pas se relever à cause de l'autre. Impeccable. Alors que je jette un petit coup d'œil à l'intérieur là. C'est calme hein. Ok, ok, ça me plaît bien ce qui se passe. Clé, mais pas d'essence. Pas de clé, mais peut-être de l'essence. Non, pas d'essence non plus. On a des nouvelles clés ici, peut-être les clés de la chevalier Nyala, et dans ce cas-là, c'est bingo, hein. Je vais essayer de m'infiltrer dans l'entrepôt. C'est une alarme dans l'entrepôt. On va rigoler, hein. Non, c'est trop grand. Je sais pas si c'est possible qu'il y ait une alarme dans ce genre de bâtiment. On va manger les chips. C'est parfait. On profite de la cantine des employés. Avec un petit soda, parfait. Au niveau du poids, je suis comment là? 80 kg? 1 orange. On termine sur le dessert. Et au congélo, on a rien. Ok, parfait. Je vais me reposer. Voilà. Au niveau des aides à l'intérieur, là, par contre, c'est l'inconnu. Hein. En serait-ce un, juste là? Ouais. Il y en a un ici. Ouais, 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 il y en a quand même à l'intérieur. Hein. Ok, s'ils sont deux, je suis dans la merde. Infiltration. Ça se passe pas comme prévu. Wow, 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 j'ai failli la rater. Technique d'approche.
C'est calme, hein? Je peux mettre la lumière? C'était pas un Z? Si, si, c'était un Z. T'es obligé. Il est quelque part, là. À tout moment, il va me courir dessus. La surprise. Ok, j'entends des Z. Mais il est où le foutu interrupteur, là? Ah, le joie. Ok, je me sens un peu mieux. Apparemment, il y a des Z dans les bureaux. Mais je ne suis pas intéressé par les bureaux, donc c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien choper toutes les caisses qu'il y a de l'autre côté, là. Toujours dans cette optique, hein, de trouver une machette. Si possible. Genre là-bas, là. Ici aussi. Je suis fermé derrière moi quand même. Faut pas déconner. Ok, on reste sur des tournevis. Ouais, du merdier quoi. Bon, là il y a des portes. Ça me rassure. Et là, est-ce que le jeu peut être sympatoche et me filer une arme qui fait du dégât? Ouh, il y avait plein de trucs là. Mais non, on reste sur des outils. Une hachette. Je vais la prendre la hachette, hein. Vu que le sac est complètement vide. On a toutes les caisses de derrière là, mais j'ai la flemme de désassembler les caisses juste pour looter. Allez, il en suffit d'une, hein. Une machette. Rien de plus. Ici. Alors, je déverrouille pour me donner une possibilité ici. Si jamais je suis poursuivi par un groupe de zinzin. Et je vais changer de côté de l'entrepôt. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Regardez toutes les caisses. Un interrupteur. Non. Je me sens vraiment en danger là. Dans ce grand espace. C'est marrant ça. Il y a un Z de l'autre côté. Les machines font du bruit, je savais même pas. Découverte. Voilà, logiquement, on devrait trouver des trucs intéressants là. Des plantoirs. Encore un pied de biche. Une hache de bûcheron, ça, ça m'intéresse. On va peut-être se débarrasser du pied de biche.
Et qu'est-ce qu'on a là? La fourche. Ça m'intéresse aussi. Elle est démontée, mais je peux la réparer avec tout ce que j'ai. Avec la colle à bois, etc. Ah, la fourche reste... reste dans la catégorie des lances, donc... c'est peut-être dangereux hein, d'utiliser une lance... avec des sprinters. Bon, la machette, hein. Ça sera pas pour aujourd'hui. Ça sera pas pour cette aventure, tout simplement. Si on la trouve pas... si on la trouve pas là, je vois pas où, où est-ce qu'on la trouvera. À part dans... dans un magasin d'outillage, mais... aura-t-on le loisir d'aller dans un magasin d'outillage? Je suis pas sûr. En tout cas, on commence à être fatigué. C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Je vais tenter une infiltration par là-bas. Chaud. En fonction de ce que nous dit la clé. Chevalier Niala. Ok, on y va un peu comme des. Comme des oufs. C'est bon. On a la voiture. J'essaie de sortir de là. Bon, pour l'instant, rien ne les choque, on dirait. Tout va bien. Bah du coup, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien qu'on va pouvoir partir dès demain avec cette superbe chevalier Niala qui m'a l'air d'être en excellent état. Bah, la marche arrière par contre... ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout est sous contrôle. On n'a pas pris d'aggro. Qu'est-ce que le coffre nous propose? 62, hein, c'est un joli coffre. On vire le sac en papier, on laisse le duct tape. Les bidons d'essence. Bah du coup, en fait, on n'en aura pas besoin. Vu qu'elle est bien remplie, la bagnole. Ça, on récupère. La pompe à pneus, je m'en fous. Le réservoir à propane, pareil. La hachette, la masse. On fait les courses, hein, tranquillement. La canette vide, je la vire et regardez, on se retrouve avec marteau, hachette, petite biche. Maintenant, j'aimerais bien réparer certaines armes. Genre la fourche. La fourche, ça m'intéresse. Mais la hache de bûcheron aussi. Donc je prends avec moi les colles à bois et les duct tape. Et on va se réparer ça. Ben, encore une fois, dans notre, à l'étage de notre entrepôt. Et je pense que pour fêter l'arrivée de la voiture, on va pouvoir se laver, tout simplement. Remplir notre bouteille. Et se laver intégralement. Il me semble qu'on a l'eau illimitée. Ou pas.
L'eau s'est coupée? Non, illimité. Ok, tac. Voilà, on se met tout propre. Ah, on est bien là. On est au top. Prêt pour demain. Donc le prochain épisode qui risque d'être légèrement mouvementé. Ça devrait être pas mal ce qui va se passer. Alors, réparons la hache de bûcheron. Pourquoi je peux pas utiliser la colle à bois? Il faut être niveau 2 menuiserie. Très bien. Ok. C'est pas l'idéal hein, d'utiliser le duct tape pour une hache de bûcheron. Mais c'est pas mal. Je vais faire au maximum. On s'en fout, on a plein de duct tape. Tout va bien. Autant les utiliser. Et aller au max, très bien. Maintenant, on va réparer la fourche. Avec à nouveau du duct tape, ok. Bon bah c'est la soirée duct tape. Très bien. Oula, ça a pas marché là. Ça a pas marché encore. Ah, c'est bon. Allez, on fait ça. Vous vivrez ce moment avec moi. La petite réparation de la fourche. Il se passe bien du coup là. C'est bon. Là on est bien. On va la mettre au max. Et je pense que c'est le cas. Ok. On a une hache, une fourche. Et il nous reste encore du duct tape. Et de la colle à bois. Très bien. Bah je sais pas où je vais, attendez. Faut que j'aille dormir. Faut que j'aille dormir. Bah on va être sur un gros épisode, hein. J'espère que vous tenez le coup. Que tout va bien pour vous. C'est un giga épisode, mais bon. Deux jours, hein. Deux jours viennent de s'écouler. Et on entamera le quatrième jour de survie la prochaine fois. Avec du coup notre exode vers le centre-ville de Riverside. Donc ça devrait être pas mal. Hein. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Et puis, hop, dormir. Et réveil 10h une nouvelle fois. Et puis on est bon. Ciao ciao poto. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonaute de l'espace.